Cette semaine, mon challenge créatif était de créer une cellule nerveuse, un neurone, en pop-up. Et voilà le résultat. La cellule avec sa forme étoilée, avec plein de dendrites qui partent dans toutes les directions. L'axone avec sa gaine de myéline. Et les nœuds de Ranvier. Puis, à l'intérieur, quand on ouvre, on peut voir, pour le moment, j'ai attaché juste avec un trombone, mais j'ai prévu de mettre une petite bande velcro à l'intérieur qu'on pourra ouvrir juste en tirant de cette façon-là. Et ici, nous avons le noyau au centre, le réticulum endoplasmique lisse, le réticulum endoplasmique rugueux, l'appareil de Golgi et les mitochondries. Alors j'ai choisi de peindre les papiers sous l'inspiration des galaxies, en pensant à la cellule aussi comme une mini-galaxie à elle-même. Et cette texture me fait penser aussi à tout le métabolisme, toute l'activité qui est à l'intérieur des cellules. Les petits points peuvent penser à des ribosomes ou à des polyribosomes quand ils sont regroupés, quand les points sont plus grands. Et bien sûr, à toutes les vésicules qui entrent et qui sortent de la cellule et qui contribuent à son métabolisme. Voilà, une façon un peu interactive à expliquer la biologie cellulaire et à découvrir la cellule neuronale, qui a tant de choses à nous apprendre d'ailleurs.